Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'analyse d'état. Pour ceux qui ne savent pas, durant ce genre de vidéo, je vais rappeler toutes les choses importantes ou non à savoir sur l'état, que ce soit son armée, ses rois, ses villes, sa politique et son histoire, ainsi que théoriser sur la suite de l'état. Bien évidemment, je n'ai pas lu les faits historiques, donc merci à tous ceux les ayant lus de ne pas en parler dans les commentaires. Merci d'avance. Avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'est l'une des plus longues vidéos de ma chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. L'État se situe dans le nord de la Chine. Il a comme frontière tous les pays hormis Han, ce qui fait de lui une cible pour beaucoup de pays. Sa capitale est Canton et il y a un grand fleuve qui passe par Zhao, ainsi que Qi, Wei et Qin, qui seraient importants lors d'une grande bataille. L'État de Zhao a été créé par le roi connu sous le nom de Wu, suite à la partition de Jin, après que ce dernier eut subi une guerre civile brutale. Le roi de Zhao qu'on aura le plus vu est Tu Zhu, le 9e roi de son État. C'était un immense tordu, une personne des plus détestables, est l'un des pires rois possibles. Il pense à son bien avant tout et s'en fout de son peuple. Il n'hésite pas à faire les pires choses possibles avec ses serviteurs, que ce soit des enfants ou non. Il aimait aussi beaucoup menacer Ribuku alors qu'il faisait tout pour défendre son état. Heureusement, il décéda en moins de 136 en se faisant empoisonner. Cet homme avait deux fils, Yuboku et Ka. Yuboku est son plus jeune fils, mais il fit en sorte que ce soit lui qui lui succéda. Comme son père, cet homme est quelqu'un d'extrêmement pervers et sadique. Il fait subir les pires choses à ses serviteurs, comme son père le faisait. Sauf que lui, contrairement à son géniteur, il laisse Ribuku avoir la main sur l'armée, sans le gêner. Car il sait que si jamais Ribuku tombe, il ne tardera pas à se faire tuer par l'armée de Qin. C'est vraiment une merde, comme son père, mais au moins, il laisse Ribuku faire des choses. C'est déjà ça. Son fils aîné est Ka. Lui est l'opposé de son père. C'est un homme bon, gentil et respectueux. Il fait tout pour que son père n'exécute pas Ribuku. Il se fit d'ailleurs arracher son oreille par son père, pour ses paroles. Le peuple de Zhao a de grandes attentes envers lui, car c'est la lumière brillante de son état. Il a réussi à s'enfuir après le couronnement de son frère à Hochou, dans le nord. Depuis, quasiment aucune information sur lui nous a été communiquée. Parlons aussi un peu du 7e roi de Zhao, Burei, qui était un homme vraiment intelligent, car c'est lui qui forma le premier bataillon de cavaliers en Chine. Avant ça, les chevaux servaient juste à tirer des chariots. Et pour finir sur la famille royale, il y a le Kun Shuki, l'oncle de Tu Zhu et seigneur de Gyu. On ne sait pas grand chose sur lui, mais ça avait l'air d'être un homme vraiment bon. Il se donna la mort quand Qin fut sur le point de prendre sa ville. On a ensuite deux premiers ministres connus à ce jour à Zhao. Ribuku qu'il a été de moins 244 à moins 236. Durant ce laps de temps, il a été démis de ses fonctions pendant un an suite à sa défaite à la coalition. Il fut démis de ses fonctions complètement en moins 236, suite à sa défaite à Gyu, où il fut mis en prison et condamné à la peine capitale. Chose qu'il évita grâce à son évasion, mais on reviendra sur ça plus tard. Le premier ministre qui lui succéda fut Kakukai, un homme prêt à tout pour tuer Ribuku, afin de récupérer sa place. Il est également très égoïste et s'en fout du bien-être de Zhao, et priorise sa propre vie, comme on peut le voir lorsque Renpa proposa d'aider Zhao, et qu'il refusa car il avait peur pour sa vie. Je parlerai des seigneurs des villes ainsi que d'autres diplomates plus tard dans la vidéo, au moment nécessaire. Maintenant, on va parler de l'histoire de Zhao dans l'ordre chronologique. Zhao est un état vraiment puissant, et à sa tête, il y a les trois grands cieux de Zhao, qui sont composés de Renpa, Rin Shuzhou et Shusa. En moins 262, la bataille connue sous le nom de Shuhei commença. Qin et Zhao rentrèrent en conflit pour la région de Jutu, qui appartenait autrefois à l'état de Han. Ce fut le grand général Akuki qui fut nommé commandant en chef de Qin. Il était d'ailleurs accompagné d'Uki. Les forces de Zhao, elles, étaient dirigées par le grand général Renpa. Après deux ans de guerre, aucune conclusion n'avait abouti. Le roi Tu Zhu, lassé d'attendre, fit ramener Renpa à Zhao et envoya à la place un autre grand général, Shu Katsu. Terrible erreur, car il tomba rapidement dans une embuscade et se fit tuer en un contre un par le général Uki, sans grande difficulté. Malheureusement pour Zhao, ce fut la pire erreur de leur histoire, car le grand général ennemi, Akuki, décida d'enterrer les 400 000 humains qu'il avait en face de lui, prétextant un manque de vivres et une potentielle rébellion. Suite à cela, une haine sans pareille naquirent chez les habitants de Zhao envers Qin, et principalement chez les proches des 400 000 personnes enterrées vivants. Moins 259. Sei naquit quelques mois après ça à la capitale de Zhao. Il eut une enfance très dure au vu du climat qui était installé envers les gens originaires de Qin. Moins 256. Le grand général de l'état de Qin, Qiu, envahit l'état de Zhao et conquiert plus de 20 provinces. Le nombre d'ennemis tués ou capturés s'élève au total à plus de 90 000, ce qui fait grossir encore plus la haine des habitants de Zhao envers Qin. Après avoir vécu à une certaine bataille, un jeune soldat de Zhao du nom de Ribuku rencontra pour la première fois le mystérieux ermite et artiste martial Uken. Il posa son arme sous sa gorge, mais ce dernier ne réagit même pas, ayant perdu sa volonté de vivre après que ses amis, parents et camarades de guerre décédèrent.
où Ken épargna sa vie et lui parla des chercheurs de chemin. Il lui dira d'ailleurs que c'est lui qui lui montrera le sien et le guidera. Suite à cela, Ryboku quitta l'armée, fatigué des batailles constantes. Il parcourra les terres pour en savoir plus sur Uken et les mystérieux Bushin. Il trouva sa réponse et comprit qu'il existe depuis avant l'ère des royaumes combattants. En moins 253, Shio réussit à prendre la ville de Bayou, mais se fit tuer par Uken qui n'était même pas vraiment affilié à Zao. Il se fit vaincre par la suite par Uki. On peut pour l'instant voir que Kin a fait d'énormes dégâts à l'état de Zao et a pris pas mal de villes. Moins 252. Zao n'a pas que des problèmes avec Kin, ils ont aussi des problèmes internes. Et en moins 252, une guerre éclata entre deux villes de l'état, Rigan et Anka. L'armée d'Anka réussit à être deux fois plus grande que celle de leurs adversaires. Mais malgré ça, ils réussirent à tenir tête à Anka grâce à leur puissant commandant et leur redoutable vassaux. Ils réussirent à prendre l'avantage quand trois jeunes, très prometteurs, prirent part au combat. Kisui, Ryutu et Batei. Le jour de la bataille finale, Anka avait 5 fois plus de soldats que Rigan, mais ça n'empêcha pas cette armée de tenir tête. Le combat fut vraiment d'une brutalité sans pareil, mais Kisui réussit à se frayer un chemin et prit la tête du commandant ennemi, Toucan. Mais c'est là que le vrai incident commença. Toucan, le fils du commandant tué, profita que Kisui et les autres soldats se battaient encore pour prendre la ville de Rigan et captura tout le monde en otage, même les femmes et les enfants. Les conditions pour les libérer étaient simples. Tous les otages contre Kishu, ses officiers et tous les soldats de Rigan. Ils acceptèrent et tous les soldats de Rigan se firent tuer, excepté Kisui, Batei et Ryutu. Les dernières paroles de son père furent « Protège les enfants de Rigan, je te les confie tous, mon fils. » L'armée de Zao ne s'était pas occupée de ce conflit car ils avaient estimé que ce n'était pas grand chose. Ça montre vraiment à quel point l'état est très mal géré. Mais en seulement 5 ans, Kisui réussit à rendre à Rigan son ancienne puissance et 3 années encore après, il pacifia Anka avec toute la région et il est devenu le leader incontesté de cette zone. Tout ça explique pourquoi Kisui n'est pas un prénom qui s'est répandu au-delà des frontières de Zao, malgré tout le talent de cet homme. En moins 246, un événement tragique arriva à Zao. Le prince Toujou monta sur le trône et son premier ordre fut d'enlever à Renpa ses fonctions de général, étant donné qu'il détestait ce dernier au vu des sermons qu'il lui faisait lorsqu'il était prince. Bien évidemment, Renpa refusa. Toujou ordonna alors son exécution et envoya 50 000 hommes avec à sa tête le grand général Gakuju, qui est le numéro 2 de Zao. Renpa avait avec lui 8 000 hommes. Malgré ça, le grand Sieux gagna la bataille, mais le laissa en vie. Il partit alors en exil à Wei, avec ses 4 rois célestes, ce qui fut une énorme perte pour Zao, qui perdit son dernier des 3 grands Sieux, car je ne l'ai pas précisé, mais Shusa et Rinchujo sont morts, à des dates inconnues. Shusa, on n'a aucune info sur lui. Rinchujo, lui par contre, on a quelques informations. Déjà, c'est un homme extrêmement intelligent. En plus de l'aide sur les champs de bataille, c'est aussi un homme politique important. Il s'est déjà battu plusieurs fois contre Uki et avait prédit que des gens chercheraient bientôt à unifier la Chine. Il avait à ses côtés 10 adjoints avec une puissance colossale qui se donnèrent tous la mort lorsque leur seigneur mourra, à l'exception de 2, Gyun et Shugaryun, mais on reparlera d'eux plus tard. Les raisons de la mort de Rinchujo sont assez tristes car il est mort d'une maladie, lui qui était pourtant à son apogée niveau puissance. En mars 1244, la bataille de Ganmon a lieu et l'armée de Ryboku tue plus de 100 000 Xiongnu dans le plus grand des secrets afin que l'information ne fuite pas. Zao attaqua aussi l'état de Qin avec l'armée d'Uken composée de plus de 100 000 hommes. Kuson Ryu fit tomber la ville de Baou et Mangoku fut envoyé dans les environs pour massacrer un maximum de personnes. Qin leva une armée avec Uki en commandant en chef et la bataille de Bayou commença. Lors de la première journée, le général de Zao Fuki fut tué par un jeune commandant de 100 hommes nommé Shin. Il se passa ensuite pas mal de choses durant les 3 autres jours, mais la bataille atteint son climax durant le 5ème. Uki tua le général de Zao, Shumu, et Tu tua le commandant chef de la bataille, Shusu, et Shin tua l'un des 10 arcs de Shin, nommé Jika. Zao a donc perdu énormément de généraux durant la bataille, mais malgré ça, ils gagnèrent la bataille grâce à l'intelligence d'un homme, encore inconnu de tous, Ryboku. Grâce à lui, le grand général Uken tua Uki et gagnèrent la bataille face à Qin, et montrèrent à toute la Chine la puissance des deux nouveaux grands cieux. En moins 243, Ryboku est nommé premier ministre de Zao. Il y eut aussi une grande guerre entre Zao et Yan, menée par Ryboku. Ces derniers réussissent à prendre les villes de Bushi et de Ho, considérées imprenables. Suite à ça, Ryboku se rendit dans l'état de Qin, et suite à des négociations avec le chancelier Ryofui, une alliance Qin-Zao naquit, et Zao dut céder la ville de Kankou, située au sud-ouest. C'est une très grande ville avec de très bonnes fortifications. Devoir la léguer à Qin fait un grand mal à l'état de Zao. Moins 242. Un an après, Zao rentre en guerre face à Yan, avec une armée gigantesque de plus de 100 000 hommes des deux côtés. Grâce à Ryboku et Uken, Zao gagna et ce dernier tua le grand général ennemi Gekishin,
et 20 000 soldats de Yen se firent capturer. Après ça, Ryboko alla voir le premier ministre de Shu afin de mettre en place la coalition. 20 jours plus tard, il se rendit dans la capitale de Wei pour les mêmes raisons. Il fit sans doute la même chose dans tous les états. -241. En début d'année, la guerre de la coalition éclata. Lors du premier jour, le général Mongoku fut tué des mains de Shin. On apprit durant cette guerre que le général Keisha était un général vraiment talentueux. Il est de type instinctif, comme le général qu'il est en train d'affronter, Duxiu. Il réussit à lui tenir tête. Ensuite, aucune chose importante du côté de Zhao jusqu'au moment où l'armée de Ryboku attaqua le col sud avec une armée de 40 000, conquérant ville après ville. Ils se firent d'ailleurs interceptés par Duxiu. Mais Ryboku, avec l'aide d'Uken, réussit encore une fois à faire tomber un grand général de Qin. Puis la bataille de Sai commença. Et malgré sa puissance, Zhao perda, suite à l'arrivée des hommes des montagnes. Et Uken se fit bien repousser par Shin. Le général de Zhao, Shin Seiju, est tué par Bajou. La coalition battit alors en retrait et ce fut leur défaite. A cause de ça, Ryboku fut exilé de la capitale et destitué de ses fonctions de premier ministre, mais les récupéra assez vite. En -237, la bataille de Kokuyu eut lieu. Le général Keisha de Zhao et l'homme qui était le plus proche du grade des trois grands ceux de Zhao se fit tuer par Shin et partit de la bataille stratégique contre Kanki. Mais Zhao avait d'autres cartes dans ses mains et montrèrent au monde qu'ils avaient trois autres généraux très puissants, notamment Kisui. Mais malgré ça, ce dernier se fit manipuler par Kanki et perdit la bataille. Son frère d'armes, le général Ryutu, tomba au combat face à Kyukai. Kanki réussit alors à s'emparer de la région facilement. Quelques mois après ça, Ryboku se rendit à la capitale de Qin et proposa une réunion des sept rois, afin de faire une alliance de tous les états, avec comme interdiction formelle de déclarer la guerre à un autre état. Si un seul d'entre eux venait à enfreindre cette condition, il serait attaqué par les six autres états et rayé de la carte. Mais Sei refusa car la paix ne serait pas durable. Il déclara ensuite la guerre à Zhao, et Ryboku ne manqua pas de répondre en disant que même si tous les généraux de Qin arrivaient sur lui, il les tuerait tous. Après ça, Ryboku fit construire plusieurs forts et châteaux sur toute l'étendue ouest de Zhao pour renforcer un maximum l'état. L'année d'après, la campagne de Gyu commença. Qin attaqua Zhao avec Usen en commandant en chef ainsi que les généraux Kanki et Yotanwa. Ils avaient fait un rapide résumé des gens importants de Zhao qui sont morts durant cette guerre et les hauts faits d'armes de l'armée de Zhao. Commençons par la bataille de Ryuyu. Katari, chef de la tribu Mera, fut tué par le deuxième commandant de Ryuyu, Bunen, mais se fit ensuite venger par sa sœur. Le troisième commandant de Ryuyu, Torque, est tué par Danto, le roi de la tribu Figo. Le premier commandant de Ryuyu, Goba, est tué par Yotanwa. Le roi des Kangrong, Roso, est tué par le général Eki. Et suite à la mort de ce dernier, Yotanwa réussit à recruter le reste de sa tribu, ce qui renforça énormément son armée, et ce qui signa la défaite de Zhao à Ryuyu. Du côté des plaines de Sukai, Ryboku tua le bras gauche d'Usen, Maki. Le général Gakuei fut tué par Shin. Gyun réussit à vaincre Won durant un combat en 1v1, mais ne réussit pas à le tuer. Shin tue le général de Zhao, Shuga Ryu. Won prit sa revanche face à Gyun et le tua. Le général Kinmu est tué par Sutan, l'archer de la Aishin. Uken battit Kyukai en duel, mais finit par se faire tuer par Shin dans un combat acharné. Le grand Sieux tomba alors au combat, mais faillit tuer son adversaire. Earl Shuki, le seigneur de Gyu, mit fin à sa vie. Voilà toutes les morts importantes de cette bataille, mais ce n'est pas le plus important pour Zhao. Le plus grave est que Qin ont réussi à la capture de plus de 12 villes, dont Gyu, Retsubi et Ryuyu, trois grandes villes de l'ouest de Zhao. Ryboku est ensuite arrêté par les gardes royaux pour sa défaite dans les plaines de Shukai et son échec à protéger Gyu. Il est reconduit jusqu'à la capitale et enchaîné. 6 mois plus tard, Ryboku est annoncé comme condamné à mort. La faction de Ryboku, dirigée par Shen Shuijiu, se bat avec celle du roi afin de le sauver. Le prince Ka, un homme vraiment bon, supplia son père de sauver Ryboku, mais ce dernier lui arracha l'oreille. Juste après cela, le roi Toujou mourra empoisonné dans son bain. Le prince Ka prit alors les directions de l'état, étant l'aîné. Il grâce à Ryboku et le fit libérer ainsi que d'autres ennemis politiques de son père. Mais juste après ça, il apprit que le roi Toujou avait en fait comme volonté que ce soit son cadet Sen qui reprenne le trône. Sen fut alors le 10e roi de Zhao et ordonna la mort du prince Ka et de Ryboku. Ces derniers ont alors dû s'enfuir avec leur faction. Ils partirent se réfugier à Seika, sauf le prince Ka qui alla ailleurs. Ce fut Kakukai qui reprit le poste de premier ministre depuis que Ryboku a été mis en prison. -234. Les trois grands généraux de Qin reprirent l'invasion de Zhao en direction de Bujou et Heiyu. Le grand général de Zhao, Koshu, intercepta Kanki qui avait pris de l'avance sur les autres, avec 240 000 soldats face aux 80 000 de ce dernier. La bataille des Kyu commença. Le général de Zhao, Ryu Akuku, est tué par Raido après être tombé dans une embuscade. Son fils aîné, Ryufu, hérite de son titre et prend le commandement de l'aile à sa place.
captura Ido et le tortura avec l'aide de Koshu jusqu'à la mort. Le général de Zao, Gaku Akuku, est tué par Isshin. Puis Kenki nous sort une stratégie de fou pour pouvoir se retrouver face au grand général ennemi, qui préféra se donner la mort que de se faire torturer par ce dernier. Kenki décapitant ensuite 100 000 soldats de Zao, s'étant rendu suite à cette guerre, ce qui raviva une haine sans pareil dans le cœur des habitants de Zao, qui avaient encore le massacre de Shuei en travers de la gorge. Alors que Zao se trouvait dans une situation critique, Renpa, l'ancien grand cieux actuellement résident à Shu, proposa d'aider Zao pour tuer Kenki. Mais Kakukai, le premier ministre de Zao, refusa son aide, ayant peur pour sa vie, en vue de leur passif et de comment l'état est géré. Renpa ne remit alors jamais les pieds à Zao. Et au final, après deux longues années d'exil, la cour royale refit appel à Ryboku et sa faction, et commença ses préparatifs avec Seika. -233. Les villes Buju et Eiyu tombèrent aux mains de Qin, mais l'armée de Kenki prit 10 jours de plus que prévu pour faire tomber la ville, étant donné que les soldats de Zao donnèrent tout ce qu'ils avaient dans cette bataille à cause du massacre que Kenki avait commis. Ensuite, la campagne de Gen commença. La ville d'Atsuyo tomba aux mains d'Usen, mais à cause des blessés, l'armée restera dans cette ville. Durant cette bataille, le général Ryufu est tué par Isshin. Pendant ce temps-là, Shuai-kun avait formé une immense armée de 200 000 hommes dans le nord-est de Qin. Sauf que Ryboku avait anticipé ça et envoya 10 000 hommes menés par Diaga et Kansaro. Ces derniers réussirent à mettre en déroute cette armée grâce à l'effet de surprise et seulement 50 000 hommes réussirent à atteindre Kenki. Et qui fit tomber Sekirei car il n'y avait aucun soldat dedans. Ensuite, l'immense bataille pour la ville de Gen commença. Ryboku réussit un énorme encerclement avec ses 310 000 soldats contre les 140 000 adverses. Durant cette guerre, on put voir que l'armée de Seika était vraiment puissante. L'armée de Kenki réussit à s'enfuir de l'encerclement, de même pour la Aishin et la Gaguka, mais ce ne fut pas sans y laisser des plumes. Tous les soldats qui se trouvaient à Sekirei se firent empoisonner, soit ils y trouvèrent la mort, soit ils se firent capturer. Suite à cela, la ville fut inhabitable durant des dizaines d'années. Ensuite, Kenki s'enfuit vers Ika pour tendre une embuscade à Ryboku, mais malheureusement ce fut une hécatombe, bien qu'il soit proche de son but. Ryboku tue Shuma. Kokou se fit tuer. Ryu pense tuer Zeno, mais ce dernier arrive à le tuer, mais décéda de ses blessures. Kohaku, général de Zao, se fit tuer par Kenki. Ringoku est tué au combat après avoir été transpercé. Et pour finir, Kenki, l'un des 6 grands généraux de Qin, tomba face à Ryboku. C'est une victoire écrasante de Zao qui, malgré la grande performance de Kenki, s'en est très bien sorti. Grâce à cela, Ryboku reçut le titre de seigneur de Buan. Si vous ne suivez pas les scans, arrêtez-vous là car ça va spoiler la suite du tome 69. -232. Après l'échec de Kenki, Qin renvoya énormément de troupes pour envahir Zao. Ils mirent tout à Gyu pour garder un œil sur les autres états et sur Buan. Shin prit ensuite Rumu. Puis la bataille qui opposa Ryboku et Shibashu, le seigneur de Seika, contre Usen et Yotanwa à Hongo, commença. La bataille ne dura qu'un jour, mais fit de nombreuses pertes. À l'heure où j'écris la vidéo, on ne sait pas encore s'il y a eu un retournement de situation. Les informations que j'ai est que Zao a détruit l'armée d'Usen, soit environ 100 000 soldats, ainsi que deux de ses généraux, Haku et Denrimi. Et du côté de Zao, les pertes sont bien moindres. Ils ont seulement perdu le général Diaga de Seika et beaucoup moins d'hommes. Avec la fuite de Qin, la victoire s'annonce pour Zao. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Mais on va partir du principe que c'est une victoire pour Zao. Bon, maintenant que je vous ai raconté l'histoire de Zao, je vais vous rappeler vite fait tous les généraux de Zao morts pour vous montrer à quel point cet état a pris cher. Puis on va parler des généraux encore en vie. Les généraux morts. Fuki, Shumu, Mangoku, Shinseiju, Keisha, Ryutu, Gakuei, Shugaryu, Gyun, Earlku, Kinmu, Shinrikan, Ryuakuku, Gakuakuku, Ryufu, Jukaryu, Go Akuku, Diaga, ainsi que des généraux comme Shukatsu, Koshu ou Ken. Je les ai tous vus mourir sur le champ de bataille depuis le début du manga, ils sont quasiment tous morts de la main de Qin. Entre ça et les deux massacres que Qin a commis sur leur état, il est compréhensible que Zao voue une haine sans pareil envers leur opposant, ce qui va rendre l'unification de l'état très dur, mais j'en reparlerai après. Parlons maintenant des généraux encore en vie, et sur ce qu'ils feront dans le futur pour le plus important. Kotsu Minhaku, originaire de Kanmon et fidèle vassal de Ryboku. J'ai pas d'attente particulière envers lui, et je pense qu'il va pas tenir longtemps. Ku Sun Ryu est un général assez polyvalent qui s'est fait couper la main par Bajo durant la bataille de Ryuyu. On le reverra plus tard, mais je ne pense pas qu'il ait une grande importance. Earl Rai, général de l'armée de Ryboku, un général avec de l'expérience mais aucun fait d'armes connu. Ryaku est un général dont la spécialité est la tactique défensive. Comme fait connu, il a réussi à tenir une ville avec 7 000 hommes contre l'armée de Yan composée de 50 000 hommes.
ce qui témoigne de sa puissance militaire. Mais on ne l'a pas non plus beaucoup vu dans l'œuvre. Mais je pense quand même qu'il sera plus intéressant que tous les autres généraux que je viens de vous citer. Bon, je vais passer assez vite les autres généraux plus importants encore en vie, comme Enkan, Kushi, Buki, Keigu, Shuaku ou bien Meiku, car on ne le rêvera peut-être jamais dans l'œuvre ou n'auront sans doute pas de faits marquants. Il y a aussi Kukyu qui est le seul amiral de Zao apparu jusqu'à présent dans l'œuvre. Il a l'air assez confiant et vantard. Quant aux capacités de la flotte de Zao, son palmarès comprend une victoire écrasante contre la flotte de Qin sur le fleuve jaune. Comme perso inconnu, on a Shukotsu qui est le fils de Shukatsu, le grand général qui remplace Renpa lors de la bataille de Shuei, qui se fit tuer par Oki. On ne l'a jamais vu dans le manga, mais on sait que c'est un général qui est surnommé le Vaillant. D'après les dires de certains hommes haut placés de Zao, il a l'étoffe pour être commandant en chef. Je pense qu'on le verra plus tard dans l'œuvre en espérant qu'il ne soit pas une fraude comme son père. Bon, maintenant parlons des généraux plus importants. Batei, je vous ai déjà raconté son histoire tout à l'heure, mais je n'ai pas parlé de sa puissance. C'est un général redoutable, il a déjà tenu tête à Shin et à Shiryu, deux très bons adversaires. Je voudrais bien mourir contre Shin ou Kyukai. Futei, j'ai presque envie de l'appeler le Eki de Zao. 30 ans qu'on le voit, aucun fait notable. Bien qu'il soit rapide, je ne le vois pas très dangereux pour Qin, s'il se trouve face à un général ou Kyukai. Gakushu, général de la ville de Seika. Il est le deuxième commandant militaire le plus compétent de sa ville, derrière Kansaro. Il gagna son duel face à Muten durant la bataille de Gyan. Il lui fit une sérieuse entaille au niveau du ventre. Puis, durant la bataille de Gyan, il blessa gravement Haku dans le dos et se fit trancher l'œil par ce dernier. Maintenant, il est borgne et je le vois bien mourir face à Uon ou Su-U pour qu'il puisse venger son camarade Haku. Kansaro, là on commence à parler d'un général vraiment puissant, le plus fort de sa ville hormis son seigneur Shibashu. Mais hormis sa puissance, il a l'air d'être un homme vraiment bon. Il ne voulait même pas participer à cette guerre et voulait que sa ville reste au calme. Et on peut le voir à deux reprises de pas achever son adversaire et le laisser mourir. Il l'a fait à Shiryu qui venait de tuer son meilleur ami et à Denrimi. J'ai l'impression qu'il a fait ça pour leur témoigner du respect. J'ai vraiment hâte de voir plus ce personnage car il a un grand potentiel, que ce soit militairement ou mentalement. Je le vois bien se battre contre Uon et mourir contre ce dernier dans un combat acharné. Bananji, connu sous le nom du démon de Ganbon pour ses batailles contre les Xiongnu. Il est l'un des plus proches conseillers de Ryboku. Il est vraiment puissant et a beaucoup d'expérience, et aussi doté d'un bon sens stratégique. Lors des affrontements contre les Xiongnu, il a tué de nombreux chefs à main nue, malgré leur capacité presque surhumaine. Le fait qu'il ait servi pendant de si nombreuses années est déjà un exploit en soi, car Zao avait envoyé de nombreux généraux réputés qui mouraient avant même leur premier mois de service. Durant Gyu, il fit une sacrée percée dans l'armée d'Haku et blessa ce dernier fortement, bien qu'il était en 1 contre 2 et se fit blesser aussi par ce dernier. C'est un peu décevant qu'il n'ait pas réussi à tuer Haku en 1 contre 2, mais bon, ce n'était pas n'importe qui. Mais plus tard dans la bataille, il choqua même Musen avec sa puissance car il avait dépassé toutes ses attentes. Il sera ralenti par Muten qui, grâce à une astuce, lui prendra un œil. Puis, lors des autres guerres, on ne le vit pas à l'action. C'est l'un des plus puissants généraux de Zao, je pense qu'il va faire très mal à Qin. Il risque d'avoir plusieurs affrontements, mais je pense qu'il tombera face à Uon ou contre Bajo. Qui suit ? Brave, droit et courageux, ce général est sans conteste une personne de valeur. Et malgré un passé tragique, il reste toujours fidèle à ses principes. J'ai déjà parlé de son passé dans la vidéo, donc je ne reviendrai pas dessus. Il a fait forte impression durant Kukuyu. Il est venu en aide à Keigu et a repoussé Kokuu en tuant Gakuun. Puis, le quatrième jour, il a sauvé Keisha du piège mortel de Kanki. Et malgré la mort de ce dernier, Kisui a réussi à reprendre les choses en main en cachant sa mort. Mais il se fit avoir par Kanki qui prit en otage sa ville. Puis, durant Gyu, il s'est fait dominer par Muten. Je le vois mourir de la main de Shin ou de Muten. Après, si Qin tient sa ville en otage, peut-être qu'il pourrait lâcher Zao pour le bien de sa ville et rejoindre Qin. Et pour finir sur les généraux, parlons de Shen Shiju, l'un des bras droits de Ryboku, également connu sous le nom de l'Orphelin du Nord, est une personne calme, audacieuse et très intelligente. Il se distingue par une approche assez impitoyable dans sa manière de faire la guerre, comme en provoquant Yotanvoi en exécutant ses hommes devant elle. Néanmoins, il est également très respectueux envers Ryboku, au point de souhaiter que ce dernier devienne roi. Son personnage est particulièrement mystérieux dans l'univers de Kingdom. Il entretient un lien certain avec les tribus des cavaliers du Nord, appelés les Beidi selon les dires de Kohaku, et maîtrise parfaitement la langue des montagnes. De plus, Ryboku place une énorme confiance en lui, le nommant notamment commandant en chef lors de la bataille de Ryuyu, et lui confiant la défense d'Atsuyo. Son passé mystérieux est mentionné par plusieurs personnages, notamment Roso. Il nous aura démontré à de nombreuses reprises sa grande intelligence, et je pense que ça sera un redoutable adversaire de Qin. Si jamais la prochaine guerre contre Qin, Yotanvoi fait encore une fois partie de la fête,
je pense que ce dernier affrontera les hommes des montagnes, en espérant en apprendre plus sur son passé. Bon, avant de parler des grands généraux, parlons de certains hommes importants de l'armée. Déjà, on a Bafuji, commandant de 5000 hommes, fils de Bananji. Il est assez prometteur, et si jamais il devait mourir, il nous offrirait le réveil du démon de Ganmon, et ça serait incroyable. Il y a Kane, bien que je ne l'aime pas, on ne peut pas lui enlever son énorme loyauté envers Ibuku, qui est vraiment touchante. Elle joue un gros rôle pour le mental de Ibuku, qui veut d'ailleurs la prendre comme femme. Il y a aussi Sei Kaun, qui est l'un des 10 meilleurs archers de Chine. On l'a pas encore vu, mais ça pourrait être un combat intéressant face aux deux jeunes archers de la Haishin. Comme grand généraux connu, il y a Gakuju, l'homme qui s'était fait humilier par Enpa. On ne l'a jamais revu depuis, mais on sait qu'il a encore en vie. Je ne sais pas ce que Hara compte faire avec, mais je ne pense pas qu'il soit si terrifiant que ça. Mais bon, Enpa le tenait quand même en estime, c'est qu'il doit avoir de bonnes capacités. J'ai aucune idée de ce qu'il fera dans la suite de l'œuvre. Shibashu, le seigneur de la ville de Seika. Il avait refusé sa nomination au poste des trois grands cieux, prétextant une maladie, car il détestait l'ancien roi de Zao. Il ne doit pas non plus aimer l'actuel. Il aime sa ville par-dessus tout. Hara a vraiment beaucoup insisté sur ça. Et ça m'étonnerait pas que dans le futur de l'œuvre, il trahisse Zao ou se rende dans un autre état, si c'est pour le bien de sa ville. On ne l'a vu qu'une seule fois l'action durant le manga, et ça suffit pour qu'on le considère comme l'un des plus puissants hommes de Chine. Il a tué Haku et d'autres lieutenants de l'armée, Dusen. Il a détruit toute son armée centrale, ce qui fit gagner la bataille. Ou en tout cas, ce qui les força à battre en retrait. Car pour rappel, à l'heure où j'écris cette vidéo, on est au scan 796, et même si la défaite de Qin est sûre à 90%, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Shibashu nous aura montré une puissance colossale. Maintenant, je me demande si c'est un bon stratège, et bien qu'il n'ait encore rien prouvé, je pense qu'il est assez intelligent. Et pour finir, parlons du plus grand général de Zao, voire même le plus grand général de Chine. Celui qui est considéré comme le plus grand obstacle pour Qin. Je veux bien sûr parler du grand Ibuku. Un homme bon qui veut seulement le bien de son état. Il n'est pas là pour faire des massacres, il aurait pu monter sur le trône en faisant un coup d'état ou mettre l'homme qu'il aurait voulu, mais refusa. Il dira que ce n'était pas possible, mais on sait tous que si. Il a tellement de faits d'armes que ce serait trop long de tous les citer. Mais durant son enfance, il se battit beaucoup dans le nord. Il était d'ailleurs bien plus un combattant qu'un stratège. Mais après de nombreuses pertes, il deviendra un stratège pour éviter les pertes inutiles. Il fit sa première apparition au reste de la Chine durant la bataille de Bayou, où il vainquit Uki. Puis plus tard, il tua d'autres légendes de Chine, comme Gekishin, Duxiu et même Kanki. Et actuellement, il est en train de battre sans difficulté Usen. Bien qu'il ait déjà perdu des batailles, ça reste un génie et sa plus grande force est la manipulation d'informations, que beaucoup sous-estiment. J'espère le voir tomber des mains de Chine. Bon, j'ai fini de parler de la forge de frappe de Zao, et comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de généraux puissants. Je vois dans la suite de l'œuvre encore au moins 2 ou 3 grosses batailles, mais pas forcément plus. Déjà, si Ibuku tombe, tous les autres suivront sans grande difficulté. La plupart se battent pour Ibuku et non pour le roi actuel de Zao. C'est pour ça que je vois si peu de batailles restant à Zao. Puis, si on veut que Sei unifie la Chine un jour, je vois vraiment pas Zao tenir encore 10 ans. Je pense que la Usen va attendre 2 ou 3 années, le temps de nous préparer un plan de fou et va choquer Zao. En attendant, Qin attaqueront peut-être ailleurs, mais je vois vraiment Zao tomber en premier ou en deuxième état. Le seul état que je vois peut-être tomber avant est Han, vu que cet état peut se prendre rapidement. Mais Zao a beaucoup trop d'importance, et une fois Ibuku vaincu, le moral de Qin sera à son maximum. Bref, je les vois tomber dans moins de 10 ans, après 2 ou 3 grosses batailles. Puis, on peut aussi rajouter que Zao est leur premier ennemi. Le roi actuel et le premier ministre pensent à leur bien en premier, et ça leur causera du mal à un moment donné. Peut-être même une rébellion, et essayer de faire passer le prince K de force en tant que roi, si jamais l'état est acculé. Le prince K est vraiment un homme qui pourrait relever l'état de Zao. Ce serait vraiment dangereux pour Qin. C'est pour ça que je me demande ce que Sei compte faire de lui, si jamais il fait tomber Zao. Certains pensent qu'il pourrait se suicider. Moi je pense que Sei pourrait aller jusqu'à l'exécuter, étant donné qu'il sera le plus grand espoir de rébellion de Zao. Avec lui et Ibuku mort, le moral sera éteint. De toute façon, les habitants de Zao haïssent déjà énormément Qin, donc ça changera pas grand chose. Par contre, j'ai hâte de voir les lois que Rishi mettra en place une fois l'état tombé, pour qu'ils puissent vivre ensemble. Car on a vraiment pu voir que les habitants de Zao éprouvent une énorme rancœur envers Qin. Après, il y a encore une autre possibilité pour K. On ne sait pas encore ce qu'il pense de l'unification de la Chine. Sei pourrait réussir à le convaincre, bien que j'y croie qu'à moitié. Par contre, Kakukai et le roi actuel, ça serait une exécution publique sans aucun débat. S'ils ne se sont pas fait tuer avant par les habitants de Zao. L'état de Zao a déjà perdu de nombreuses villes depuis le début du manga. Et sont assez proches géographiquement de la capitale Kantan.
Il se peut qu'il la fasse tomber plus vite que prévu, si jamais Kin trouvait un plan parfait. J'aimerais énormément voir tout Umubu se battre contre Zao dans les arcs à venir, et j'ai bien l'impression que ça va être Usen qui fera la belle contre Ryboku. Tous ces généraux, avant de mourir, ont-ils son retour. Et puis même, il a dit qu'il était en train de réfléchir à un plan. C'est sûr, Usen sera de la partie dans la suite de l'invasion. Shin, Won et Muten le seront aussi. J'espère au moins voir tout pour que ce dernier puisse un peu venger son seigneur mort face à Ryboku. Un autre élément qui est intéressant, c'est que Sai a grandi à Zao. Grandir est un bien grand mot quand on sait tout ce qu'il a vécu là-bas. Il s'est fait tabasser toute son enfance pour des choses qu'il n'a rien fait. Beaucoup d'habitants de Zao ne connaissent pas le passé du roi de Qin. Et justement, je vois bien Sai le raconter pour leur ouvrir les yeux. Akuki a fait un massacre. Ce massacre a créé des monstres qui ont tabassé un enfant pour aucune raison valable. Et cet enfant vient plus tard pour prendre leur terre. Sauf que Sai ne veut pas leur mal, il veut justement la paix, et c'est pour ça qu'il veut unifier la Chine. Peut-être qu'il réussira à convaincre certains habitants de Zao. Le reste, seul le temps le fera, ainsi que les lois que Rishi mettra en place. J'ai vraiment bien envie de voir ce qu'il compte faire. Comme grosse ville à prendre, connue, il reste Kantan, la capitale royale. Gien, située dans le nord. Il y aura peut-être une autre bataille pour Ango. Il y a aussi la ville de Genmon, quand on sait combien de généraux puissants viennent de là-bas. Il se peut que ce soit une ville importante. Conclusion. Zao est un état qui a connu beaucoup de guerres et de massacres, et suite à cela, il voue une grande haine envers Qin, ce qui rendra l'unification très compliquée. Ils ont perdu pas mal de territoires depuis le début du manga, et ont un gouvernement immonde, égoïste et sadique, ce qui les aide pas du tout. L'état se repose actuellement essentiellement sur Ryboku. Si cet homme tombe, Zao tombera, et c'est pour ça que Zao peut tomber après seulement une ou deux grosses batailles. À tout moment, ce qui causera la perte de Ryboku sera peut-être son propre roi, ou premier ministre, bien qu'ils n'ont pour l'instant aucun intérêt de le faire. En fonction de comment Ryboku tombe, beaucoup de généraux de Zao pourraient se rendre. Shibashu et Kisui sont des hommes bons qui inspirent au bien de leur ville. Je les vois bien faire un pacte avec Qin à un moment donné, et pourquoi pas se battre pour eux. Les proches de Ryboku, comme Bananji ou Senshudyu, se battront jusqu'à la mort si jamais leur seigneur mourait. Les autres généraux qui resteraient en vie pourraient peut-être rejoindre Qin après la chute de l'état, après avoir perdu tout espoir quand Ryboku sera tombé. Je n'en ai pas parlé dans la vidéo, il y a aussi des peuples qui vivent dans le nord de Zao, qui pourraient poser des problèmes dans la suite. Mais vu qu'on ne sait pas grand chose sur les Gyeongnyu, j'ai pas voulu en parler, mais ça reste intéressant. Et même si on a vu énormément Zao depuis le début du manga, rappelez-vous que ce n'est qu'une marche dans le plan de Qin, qui consiste à unifier la Chine. Il ne va pas pouvoir s'attarder encore longtemps sur cet état, et c'est pour ça que je pense qu'il va bientôt tomber, ça fera un grand bien. Car certes, il y a des personnages incroyables, mais on a besoin de vent frais, et de voir un autre état. Mais malgré ça, Zao est un état incroyable et nous aura proposé une opposition qui nous a fait passer dans tous nos états. Le jour où l'état tombera, je crois qu'on sera aussi heureux que les habitants de Qin. Après des années et des années à les voir combattre, le sentiment d'accomplissement qu'on aura, j'imagine même pas. La même chose pour quand Ryboku se fera trancher la tête, ça sera l'un des meilleurs moments de Kingdom, sans aucune hésitation. La vidéo est l'une des plus longues de ma chaîne et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je vous demande vraiment de la liker car elle m'aura pris beaucoup de temps à faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ou au moins pour le référencement. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si cela vous plaît, il y aura encore beaucoup de Kingdom. Sur ce, bonne journée.